c'est Viewer, c'est le Creeper 13 pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est l'épisode 7 de Pepsi Creep, enfin. Enfin, j'ai envie de dire. Alors, avec plein de nouveautés. Et puis là, vous allez me dire, mais pourquoi tu zoomes sur un bloc de stone? Parce que... Oh, ben, c'est pas le même stuff. Oh, ben non. On a complètement changé la map. Donc voilà. C'est tout. Donc voilà. Et voilà. Donc on a complètement changé la map. Ici c'est ma maison. J'habite avec Main Haribo. Pour l'instant, mais je pense que ça changera pas. J'habite avec Main Haribo. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. C'était pour les 10 mois du service. Qu'on avait fait un truc. Donc ça faisait très très longtemps, le dernier épisode qui date il y a des mois et des mois. Donc voilà, j'ai pas mon armure, j'ai laissé parce que sur le serve ils arrêtent pas de se battre à chaque fois qu'ils se collent, les amis qui se battent. Donc voilà, mon armure elle est là. Les bouts d'armure ils sont là. On va prendre de la terre pour que je puisse reboucher là-bas. Et donc j'espère que vous aimerez le retour de Pepsi Creep enfin. Donc je vais vous faire un peu la présentation de la nouvelle, du nouvel endroit parce que c'est plus une île. Ne vous inquiétez pas, parfois peut-être que je ferai un petit épisode sur l'ancien Pepsi Creep. Bon, ça m'étonne beaucoup, mais... Ok, donc... hop là, on va tout... partir, donc bon. Ici, c'est chez nous. Alors, on a plein de chats, hein. Ah, ils sont pas là, mais ils sont pas tous là, mais on en a beaucoup. Les autres sont dehors. Plus. Je sais plus si celui-là il est à moi. Bref, parce que entre les chats de Main Haribo et les miens, je me confonds. Je sais plus. Bref, donc ça, c'est notre maison. Donc, je suis en train de faire l'escalier coulissant. Je vais vous faire en vidéo peut-être. Ah non, j'ai posé mes flèches. Vous voyez mes flèches, c'est pas bien ça. Donc voilà. Alors là, ça va vraiment être une présentation vite fait. Donc, là, j'ai pas trop le temps de tourner. Attends, il attaque un chat? Non. Je suis mort. Donc, notre maison. Si on va par là-bas. Bleu. Si on va par là-bas, il y a mon restaurant avec le zombie 13. On a un restaurant en commun. Bon, elle n'a pas fini et tout, mais bon, on va le finir peut-être en vidéo. Normalement, par là-bas, on n'a rien à part la forêt d'acacia si vraiment tu marches beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, je vais vous montrer le spawn, hein, parce que c'est là où on a commencé, quand même. Alors le Nether on va pas y aller parce qu'il y a des bugs de portail. Il faudra que je règle ça. Si en fait il y a deux portails, donc normalement ça devrait marcher, tu vois. Il y a mon portail et celui de Titu 313 qui est loin dans le désert. Et en fait, mais ce qui se passe c'est qu'ils sont juste à côté, donc ça va. Mais quand on rentre dans n'importe quel des portails, on se retrouve toujours au même endroit, sur un arbre de la jungle, au beau milieu de la jungle. Donc on sait pas d'où vient ce bug. C'est vrai de le résoudre. Donc, pour l'instant on n'a pas encore de bouffe, mais je pense que dans l'épisode 8 on fera l'usine à pastèques. Donc, je suis bloqué.
Donc, on a décidé de s'installer dans la jungle, tout simplement parce que là où on a spawn, c'était entre la jungle et le désert. Sachant que dans la jungle, on pouvait avoir des chats, il y avait des pastèques, il y avait de quoi se nourrir. Et tout, on a préféré aller dans la jungle. Je crois qu'Attila, il a enlevé. Sûrement. Donc, on est bientôt arrivé. J'ai vu un petit bout de désert là-bas. Voilà. Ah non, il n'a pas enlevé. Oh, vas-y. Je crois. Je lui ai dit qu'il n'a pas enlevé. Hop là. Ok. Ok, bon, alors, donc, voici le spawn, on a littéralement spawn ici, non, ici, un peu plus loin dans la jungle. Je me suis avancé la première fois que je me suis connecté sur la map, je me suis avancé, j'ai vu ce bout de désert, je me suis fait, bon, ok, pour le spawn, on va s'installer là. Donc, je vais vous monter là, je vais vous montrer l'intérieur du spawn, bon, qui est vide parce que parce qu'on a tout pris. Tout pris qu'est-ce qui nous appartenait. Moi qui ai un peu de bouffe, ça mange. Toi, t'as pas de bouffe? Non. Au fait, on a réussi à avoir une canne à pêche mangue. Même deux cannes à pêche mangue. Donc, il y a le portail du Nether totalement éteint. Ici, c'est là où on voulait faire une future récolte à poulet et tout. Donc voilà, et ce qui était bien, c'est que en fait c'était creusé, hein. C'est pas nous qui avons creusé, qui avons trouvé la grotte. Non, tout ça, c'était creusé en fait. Et donc on rentre dans la grotte, il y avait une grande grotte et tout, et puis là, on tombe sur une faille mélangée avec une autre faille au bout. Bref, tu t'y perds facilement. Il y a un autre bout, mais au fond encore, il y a une autre faille. Bref, c'est assez pété. Qu'est-ce que j'avais ici? Attends, j'ai l'impression d'avoir fait tomber un truc. Ah non, c'était la bouffe. Oui, non. Pour le coup, on peut plus sprinter. Bref, donc le spawn... Attendez, je vais vous présenter en game mode. Non, allez, on va cheater. On peut commencer. Je s'en sers, c'était le serve du cheat. Bref. Là c'est vers là où on a spawné et tout. Donc on a... Vers là-bas, si on continue vers là-bas, on arrive sur la maison d'Attila qui ne connaissait pas les Frostwalker et qui en a pêché un. J'ai donc je l'ai mis sur sa botte gros, ouais, voilà, on le voit pour l'instant, c'est pas encore fini. Après en haut, alors ça on sait pas trop à qui c'est, je vais l'avouer, c'est pas trop à qui c'est, mais le zombie 13 quand même, on a retrouvé quasiment tous les trucs de le zombie 13 dans la cabane. Ça a été le premier à trouver la forêt d'acacia. C'est pas très très beau. Et donc voilà. Donc on pensait que c'était à lui. On lui a demandé beaucoup de fois. Mais à mon avis, c'est à lui, mais il veut pas l'avouer. Parce qu'on a dit que c'était pas très beau. Donc voilà. Après. De souvenirs, ouais, mais ça c'est bon. Ah oui, de la pastèque. En attendant, c'est bien la pastèque. Je veux de la pastèque. J'aime la pastèque. Donc, on va passer là. Hop là. Cette pastèque est toute fraîche. Très très bon. Ok, donc après, si on continue vers là-bas,
Si on continue vers là-bas et qu'on longe le fleuve. Ah bah tiens, mais voilà. La taille du nether, chaque fois où on spawn, c'est celui-là. C'est assez énervant parce qu'on spawn au beau milieu de nulle part en fait. Mais bon, je veux quand même le garder parce qu'il est pas trop loin du spawn. Et il y a des vaches et des cochons. Donc on pourrait finir l'élevage. Parce que j'ai un élevage. Pourquoi j'ai fait ça aussi, mais bon. Ça on va pas en parler. Je vais sûrement crever d'ailleurs. What? Je crois que quelqu'un est passé par ici, hein. On est bien d'accord. Parce que j'ai jamais vu. Oulala, rollback de ouf. Je crois que quelqu'un est passé par ici, hein. Parce que j'ai jamais vu un mouton respawner directement. Ça veut dire peut-être qu'on est pas trop loin de la maison de Titou. C'est Titou et Hazer qui habitent, hein. Ils habitent ensemble aussi. Le Fabio Jot 13, vu qu'il est pas trop passé sur le serveur, bah il a pas de maison pour l'instant. Il peut faire un peu jouer à la play. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Ah voilà. C'est pas là-bas. Je bouffe, c'est horrible de pas pouvoir quoi. Mais dans pas longtemps on aura l'usine à pastèques. Vous voyez, on a plein de cannes à sucre, mais dès qu'on arrive près de ça, ça veut dire qu'ils sont pas longs, parce que la dernière fois je suis parti de chez eux, j'ai trouvé ça pas très très loin après. Souvenir qu'ils sont vers là-bas. Donc voilà, et après c'est tout. Il n'y a personne d'autre sur le serveur. Il y a toujours le Keep Inventory. D'ailleurs, je vais vous montrer si je meurs. Aïe, ça pique. Aïe. Voilà. Si je meurs, ben, j'ai toujours mon stuff. Exploit Keep Inventory. Mais en valant, je vais essayer de l'enlever quand plus personne n'aura de problème de bouffe et tout. Je l'enlèverai. Donc voilà, donc je vous ai fait un peu faire le tour. Ah oui, il y a aussi l'escalier que pour l'instant j'ai pas fini. Je le ferme pour pas qu'il y ait des chocs. Avec le portail du Nether. Hop là. Hop là. Donc après en fait il y aura un autre pour le deuxième étage. Mais pour le deuxième étage je pense que le verre je l'enlèverai pas vraiment. Je pense qu'on va le faire beaucoup plus monter en fait. Et qu'on va construire la maison sur le truc. Et au moins en fait on pourra voir le deuxième étage. Directement. Et donc voilà, donc on a un début d'élevage là-bas même, et tout. Donc voilà, on a fait un peu le tour. C'était le Creeper Train. Et ciao!